Ok, donc on a eu quelques petits soucis techniques, on vous prie de nous excuser. Donc je vous salue, j'espère que vous allez bien, merci pour votre patience à notre égard, on essaie de faire le maximum. Mais parfois, on est des techniciens en herbe et parfois on a des soucis techniques, mais ça n'enlève pas notre joie et de nous retrouver ensemble pour ce culte. Ce que je vous disais, bien sûr, de vous accueillir, bien sûr, je vous accueillais au début et je vous remercie pour votre présence, que vous soyez membre de Vie Nouvelle ou que vous nous visitiez dans ce temps. Encore une fois, nous nous retrouvons derrière nos écrans alors que nous avions espéré nous retrouver tous ensemble hier soir, mais la météo a eu raison de cet événement et bien sûr, nous avons choisi de différer et de nous retrouver en live aujourd'hui. Et ce n'est que partie remise, nous aurons la joie de nous retrouver, nous aurons la joie de pouvoir louer Jésus ensemble, de pouvoir partager sa parole, de pouvoir partager les temps de relation les uns avec les autres. Mais on veut le faire dans de bonnes conditions, en toute sécurité et permettre vraiment de suivre aussi le protocole sanitaire qui nous est demandé, tout en continuant à vouloir faire en sorte qu'il y ait la vie qui soit cultivée au milieu de nous. Et je commençais ce temps de culte en souhaitant la bonne fête à toutes les mamans. Je n'ai même pas eu encore l'occasion d'envoyer un petit message ou de lui passer un petit coup de fil. Mais bonne fête maman, si tu m'entends, j'imagine que tu m'entends. Et j'aimerais juste, dans ce temps particulier de culte, prononcer une prière de bénédiction pour toutes les mamans qui nous écoutent. Pour tous ceux qui sont mamans et pour toutes les personnes, j'ai particulièrement à cœur, alors que je parle là, à ce moment-là, toutes les mamans qui ne le sont pas encore et qui ont peut-être même fait des essais, ils ont des problèmes pour avoir des enfants. Et je veux vraiment bénir vos entrailles aussi. Vous avez envie, vous avez le soupir d'être mère. Et nous croyons au miraculeux, nous croyons que Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Et cette prière de bénédiction est aussi pour toi. Si tu m'écoutes et que tu as des difficultés pour avoir des enfants, ou si même tu es diagnostiqué comme étant, tu ne peux pas avoir d'enfants, eh bien, je veux prier pour toi, déclarer à ce que la vie de Christ vienne dans tes entrailles et que tu puisses donner la vie. Seigneur, merci pour chacune des mamans, pour toutes ces femmes, Seigneur, extraordinaires, qui se donnent pour leurs enfants, que les enfants aient quitté le nid de la maison ou qu'ils soient tout bambins. Seigneur, je veux vraiment appeler ta bénédiction sur ces femmes, Seigneur Jésus. Merci pour l'esprit maternel, merci pour le don d'amour particulier qu'ils donnent au fur et à mesure, tous les jours, à leurs enfants, avec fidélité, avec justesse. Seigneur, je te prie pour les relations peut-être avec leurs enfants qui pourraient être compliquées aujourd'hui. Je te prie à ce que dans ce jour particulier, ça soit une occasion de restaurer des relations brisées. Je te prie pour toutes les blessures des cœurs des mamans. Seigneur, qu'il y ait réellement un miracle qui se passe, que tu viennes panser les cœurs. Et que tu viennes mettre à nouveau ce sentiment de vie qu'il y a dans ces femmes. Je te prie pour toutes les femmes et toutes ces mamans qui pensent avoir échoué leur rôle de mère. Je te prie afin que tu viennes les restaurer maintenant dans leur identité. Que tout mensonge qui vient les accuser maintenant soit brisé. Et que la vérité qui sort de ta bouche, ce regard bienveillant de papa que tu as pour chacun de tes enfants et pour toutes ces mamans, puisse venir prendre vie dans chacune de ces vies. Seigneur, je te prie pour toutes les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants aujourd'hui et qui ont soif d'être maman. Je déclare la vie dans les entrailles maintenant. Que ce soit un problème pour la femme ou pour l'homme. Seigneur, je te prie afin qu'il y ait quelque chose, un miracle, Seigneur. Dans ce jour où nous célébrons les mamans, dans ce jour où nous célébrons la vie, je veux vraiment déclarer l'esprit de vie maintenant se manifester dans toutes les personnes qui regardent ce temps de culte. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Père. Et Seigneur, nous t'accueillons dans ce temps de culte. Nous voulons que ce culte soit agréable. Nous voulons que ce culte soit pour toi avant tout. Celui qui mérite le trône de l'adoration, c'est toi Jésus. Et nous voulons nous décentrer de nous-mêmes et nous centrer sur toi. Que dans ce temps de louange avec toute l'équipe, nous puissions déclarer combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es exalté, combien nous te plaçons sur le trône de nos vies. Merci Père pour ta présence ce matin, au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Je vous laisse avec toute l'équipe, avec Marie-Lo et l'équipe. Vivons à fond ce temps pour Jésus. Adorons-le, glorifions-le. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Ce qui était sur mon cœur.
cœur ce matin, c'était vraiment ce passage de Psaume 59 au verset 17 et 18 qui dit « Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. » Dieu, mon Dieu, tout bon, si bon, et ma haute retraite. Et David, quand il a écrit cela, il était en fait pourchassé par Saül, il était cerné. Sa maison était cernée et il en voulait à sa vie. Saül voulait le faire mourir. Et peut-être toi ce matin, tu es dans cette situation difficile où tu ne vois pas, tu ne vois pas l'espérance, mais Dieu te dit, chante. L'Esprit veut t'encourager à chanter, à monter sur le rocher, à monter sur la haute retraite, à être dans cette, couvert par cette forteresse et à élever le nom de Jésus qui est tout bon, qui est si bon, qui voit ta détresse, qui voit ton cri au secours, mais qui te dit, élève ta voix et monte plus haut, monte plus haut. Monte plus haut, monte plus haut. C'est l'appel du Seigneur pour toi ce matin. Élève ta voix comme David. Alors qu'il était cerné, il a élevé le nom de Jésus. Alors chantons, chantons louange, louange, honneur, louange à son nom. Ton nom est l'espoir en moi, l'espoir.
sa présence monte, sois élevé. Je chanterai pour mon roi, je lèverai son nom, j'honorerai sa présence, ton nom, chantons. Jésus, chantons, honneur à son nom, honneur à toi, honneur à son nom. De mon cœur, je dis, je déclare, sois élevé, sois élevé, Dieu très saint, sois élevé au-dessus, sois élevé. Trembler la terre. Ton nom élevé fait enfanter les biches. Ton nom proclamera la vie. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus. 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 Le nom le plus beau. Le nom le plus haut. Jésus.
Toi, du Seigneur.
Oh.
Seigneur, tu es glorieux. Je vous invite simplement à ce que vous puissiez, vous, chez vous, avoir un temps où vous exprimez votre louange comme vous le souhaitez. Vous savez, nous avons eu quelques petits problèmes de connexion, mais ce n'est pas le problème. J'aimerais qu'on puisse ne pas se focaliser sur la qualité du son, de l'image. Bien sûr que nous, ça, c'est important de vous donner le meilleur, mais la technique n'est juste un outil pour un objectif, rendre un culte qui est agréable pour notre Seigneur. Et je vous invite simplement à poser votre regard sur Jésus. Vraiment, toute l'équipe de louanges et tout ce que nous allons vivre et tout ce que nous souhaitons vivre, c'est simplement nous permettre à ce que nos yeux soient fixés sur Jésus. J'aimerais pouvoir vous donner l'occasion de faire aussi monter votre louange. Pendant 2 minutes, prenons le temps, juste déclare ce que tu as envie de déclarer depuis chez toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Jésus ce matin ? Je ne demande pas une prière, une requête, quelque chose où Jésus veut encore venir te toucher. Qu'est-ce que toi tu veux dire à Jésus ? Comment tu veux l'aimer avec tes mots ce matin ? On chante qu'il est glorieux, on chante qu'il est élevé, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi ? Qu'est-ce que tu veux lui dire dans tes circonstances de tous les jours ? Oui, tu es glorieux, Jésus. Ta tête est couronnée d'une couronne. Seigneur, à mon niveau, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Je suis tellement reconnaissant de te connaître. Je suis tellement reconnaissant d'être à ton service, d'être appelé ton enfant. Je suis tellement reconnaissant d'avoir une femme, des enfants en bonne santé. Reconnaissant d'avoir de quoi manger, d'avoir un travail. Reconnaissant d'avoir cette église, cette famille Vie Nouvelle. Reconnaissant d'avoir des personnes qui sont là et qui servent avec tout leur cœur pour qu'ensemble nous voyons ta gloire encore et encore. Seigneur, je veux joindre ma louange à tous mes frères et sœurs ce matin. Ne pas me priver de te dire combien je veux que tu sois de plus en plus en premier dans ma vie. Prends toute notre reconnaissance, Jésus, ce matin. Sois élevé. Sois glorifié. Amen. Merci à Marilo, merci à toute l'équipe de louanges. C'est cool, merci pour votre service et votre cœur. Et on a le privilège d'avoir le pasteur Jean-Élie Téféry avec nous qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Et je vais l'accueillir devant la caméra, lui aussi, comme tout le monde. On va bénir ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Écoutons. Je sais que lui-même, je sais qu'il a pour habitude de nous faire prier pour nous ouvrir à sa parole. Donc je vais pas faire double emploi, je vais lui permettre de le faire. Juste le temps pour nous de désinfecter le micro, parce qu'on essaie de faire les choses correctement. Et ensuite, on écoute et on se laisse toucher par la parole de Jésus pour qu'il puisse transformer nos vies encore et encore à son image. Amen, amen. Merci au Seigneur et merci à ce moment de louange magnifique et bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est une fête extraordinaire. Hein, les mamans sont heureusement qu'elles sont là et nous sommes heureux donc de bénir les mamans. Alors, avant d'aller loin, j'aimerais prier, présenter ce moment au Seigneur, comme disait mon bien-aimé Damien. Seigneur Père, c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je te prie maintenant. Ouvre notre intelligence, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est l'infinie grandeur de ta richesse que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Que personne ne soit privé de ta grâce. Ouvre notre cœur et notre compréhension. Fais-moi grâce et fais-nous grâce ensemble. Et c'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivé à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ et je déclare lier les puissances des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager sur un sujet que j'avais commencé il y a un mois, je crois, sur la prière.
Et j'ai juste, on va avancer au fur et à mesure. Donc, vous savez tous que toutes les religions pratiquent la prière. Qu'on le veuille pas, hein, toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui ne la pratique pas. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Donc, les musulmans prient 3 fois par jour. Les bouddhistes, ils méditent. Ils peuvent rester des heures et des heures à prier, quelquefois même des jours. D'autres, c'est les hindous, ils ont plus de 8000 dieux, vous vous rendez compte? Ben, il faut le faire, hein, avec 8000 dieux, il faut qu'ils prient aussi. Ben, les juifs prient aussi, les animistes prient aussi. Il y avait un homme, vous connaissez, dans l'Antiquité, donc les Grecs priaient aussi leur dieu. Et un homme comme Paul, un jour, il dit, j'ai remarqué, c'est dans les Actes chapitre 17, il dit, j'ai remarqué, vous êtes des êtres pieux, vous, les Athéniens, il disait, et j'ai vu un écriteau qui est là, qui dit, le Dieu inconnu. Alors, c'est de lui que je vais vous parler, disait-il, et c'est très intéressant de voir combien la prière, ce n'est pas seulement réservé à la pratique chrétienne. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est qui prions-nous? Quelquefois, on prie par habitude, par imitation. Hein, si vous étiez né dans une famille bouddhiste, eh bien, écoutez, vous allez imiter vos parents. Nous, on est né dans une famille chrétienne, on imite. On a donc, quelquefois, c'est par imitation. Alors, comment prier? Et surtout, quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Personne n'a vu Dieu, n'est-ce pas? Comment avoir une prière effective sans savoir à qui je dois m'adresser? D'ailleurs, un jour, Jésus dit à ses contemporains, personne n'a jamais vu Dieu. Waouh! Ça veut dire, parmi ces 7 milliards de personnes, il n'y a pas une personne qui a vu Dieu. Alors, comment notre prière peut être effective? Comment être effectif sans savoir à qui nous prions, à qui on s'adresse et qui est ce Dieu qu'on ne connaît pas. Alors, heureusement, moi je dis que Dieu écoute la prière de tous les hommes. Le texte même va très loin. Il nous dit, c'est dans le psaume 65, verset 3, il nous dit, « Toi qui écoutes la prière de toutes les créatures, toi qui écoutes la prière de toutes les créatures humaines, même, ça veut dire même des animaux. Ça vous choque peut-être ce que je vous dis. Pourtant, le psaume 104, verset 21, nous dit ceci. Les lionceaux rugissent après la proie et pour demander à Dieu leur nourriture. Même les lionceaux font leur prière. Ça veut dire qu'ils demandent et Dieu écoute la prière des animaux, vous vous rendez compte? Un autre texte encore qui est étonnant, c'est dans le psaume 147, verset 9, il nous dit ceci. « Il donne la nourriture au bétail, aux petits des corbeaux, quand ils crient. » Waouh ! Les animaux crient et Dieu entend. Alors, à combien plus forte raison Dieu écouterait la prière de tous les hommes, même quand bien même ils sont de toutes les autres religions, parce que, heureusement, la Bible nous dit, ils ont des yeux, c'est Dieu. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Mais c'est pour ça qu'il est miséricordieux à notre égard et à l'égard de l'humain. Et Dieu parle, écoute la prière de tous les hommes. La semaine dernière, j'écoutais notre bien-aimé pasteur Damien qui parlait sur le Saint-Esprit, Christ en nous, et comment il agissait. Alors, waouh, j'ai dit, c'est vrai. Moi, avant d'être converti, vous vous rendez compte, avant d'être converti, c'est le cas de chacun d'entre nous. Dieu, ou le Saint-Esprit, était avec moi pour me convaincre. Il n'était pas en moi. Parce que pour qu'il soit en moi, d'abord, il fallait qu'il me convainque. D'ailleurs, ce texte est très intéressant et il nous dit, il est avec nous pour nous convaincre. Dieu, le Saint-Esprit est avec toi, n'est-ce pas? Il n'est pas hors de toi, il n'est pas en toi avant que tu le rencontres. Donc, le Saint-Esprit convainc de péché, nous dit Jean chapitre 16, verset 8, nous dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra qui? Le monde, les non-convertis, le monde de péché. De justice, de jugement, de péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus.
Et il continue de jugement parce que le prince de ce monde a été jugé. Waouh ! Ça veut dire, je me rappelle, à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. Ça ne m'intéressait même pas. Moi, j'aimais le sport, chanter, danser. Mais le Saint-Esprit était avec moi pour me dire, Tef, il y a un chemin. Tef, repends-toi, regarde, le vrai Dieu est là. Eh bien, c'était une façon de m'expliquer qui était Dieu. Et c'est pourquoi je peux simplement vous dire, quand bien même les gens ont d'autres religions, Dieu va dépasser tout cela, que son nom soit béni, pour écouter le cri de l'humain. D'ailleurs, il y a un texte que j'aime beaucoup dans le psaume 34 qui dit ceci, psaume 34, verset 6, « Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. » Ce n'est pas marqué quand le chrétien crie. Hein. C'est quand le malheureux, un être humain qui est malheureux, crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Waouh! C'est ce Dieu que nous avons. C'est ce Dieu bon que nous louons, que nous cherchons, que nous prions. Et c'est pourquoi on peut être certain que ce Dieu écoute la prière de toutes les créatures. Alors, ma question, c'est que quand Jésus disait, Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Alors, c'est décevant. Hein? « Personne n'a jamais vu Dieu. » Alors, comment veux-tu avoir une relation avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Comment tu peux faire? Et comment tu peux agir quand tu ne l'as jamais vu? Donc, la prière, ce n'est pas une option, au fond. La prière, c'est une nécessité vitale. La prière, c'est un sujet le plus parlé et le moins pratiqué. Malheureusement, parce que je comprends. Moi, je dis, vous savez, il y a des moments, je vois dans nos églises, le deux tiers de l'église ne vient pas dès qu'on dit, c'est une réunion de prière. En fait, c'est tout justement parce que quand ces personnes prient, ils voient que le résultat est maigre. Imaginez si vous avez un appareil de coca et que vous mettez des sous. Et le coca ne tombe pas, encore vous mettez des sous, le coca ne tombe pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne mettez plus vos pieds devant cet appareil en disant « il m'a pris tous mes sous ». Et c'est comme ça quelque part, les chrétiens, ils sont comme déçus, ils prient, il n'y a pas de réponse, ils prient, là, d'un seul coup, bof, la prière n'attire pas l'attention parce que le rendement est trop faible, le rendement est trop maigre. Wesley disait ceci, « Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire, mais Dieu a choisi de ne rien faire sans l'homme. Il a choisi. Il veut, par contre, il veut une relation. C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus a résolu le problème de l'humanité que ce Dieu inconnu, ce Dieu qui n'avait aucune relation, ce Dieu qui ne l'ont jamais vu et qu'il prétendait avoir le protocole d'entrée dans sa maison, Jésus a dit, on va corriger tout ça. Parce que je suis le seul qui a vu Dieu. Vous le trouvez dans Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, lui a fait connaître. C'est pour ça qu'on s'attache au Seigneur. Pourquoi vous croyez que moi je me suis attaché à Jésus? Parce que c'est le seul qui a vu Dieu. Et le seul qui me montre les protocoles d'entrée dans la maison du Père. Le seul qui peut me montrer comment être en rencontre avec Dieu. Alléluia! Alors, les disciples, je les comprends quand ils sont venus lui dire, « Alors Seigneur, apprends-nous à prier. » Oh là là, et oui, ils ont raison. Apprends-nous à prier, Seigneur, apprends-nous. On ne sait pas comment s'approcher de lui. On n'a aucune idée comment il est, ce Dieu. Alors, il leur a appris la prière que vous connaissez, la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin. Waouh, c'est extraordinaire comme prière qu'il les a appris. Alors, lui-même, il a affirmé ce qu'il a dit. Pas seulement avec des mots, parce qu'on allait dire, ben, tu sais, tout le monde peut prétendre qu'il a vu Dieu.
Et vous savez comment il a prouvé qu'il a vu Dieu? En ressuscitant. C'est sa résurrection, c'est ça qui fait la différence entre toutes les religions et la foi que nous avons à ce roi qui est ressuscité d'entre les morts. Il a prouvé qu'il a vu Dieu, qu'il a prouvé qu'il avait une relation avec Dieu en venant de la mort, en étant vainqueur sur la mort, en étant ressuscité d'entre les morts. Dans Jean chapitre 6, verset 46, voilà ce que dit Jésus. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Dans Exode chapitre 33, verset 20, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça veut dire que c'était impossible pour aucun humain de le voir. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création. Dans Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire qu'il est devenu le modèle de ce Dieu invisible, inconnu, que personne ne savait qui était. Jésus a dit, si tu m'as vu, si tu vois ce que j'ai fait, si tu comprends qui je suis, eh bien, tu as vu Dieu. Amen. Comment dis-tu, montre-nous le Père, puisque je suis. Amen. Luc chapitre 10, verset 22, hein, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Tout à l'heure, je vous disais, « Heureusement que le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. » Le seul qui peut révéler Dieu à notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et le seul qui pouvait convaincre l'humanité étant le Saint-Esprit, il fallait que Jésus dise, il faut que je m'en aille, afin que le Consolateur vienne et que lui vous montre qui est Dieu et qui est ce Dieu Père que vous devez rencontrer. Alors, j'ai pris trois principes qui me permettent de savoir quand je prie, comment Dieu parle. Par exemple, j'ai marqué les trois formes de prière, le moins connu des chrétiens, que vous découvrez par la directive de la prière. Alors, la première forme de prière que Dieu veut, il ne veut pas que la prière soit monologue. Le problème, c'est que beaucoup de religions parle à Dieu. Mais Dieu ne parle pas à eux. Et Dieu veut, en amenant Jésus et le Saint-Esprit qui convainc de péché, c'était quoi? C'est pour qu'il y ait un dialogue entre Dieu et toi. Alors, la chose la plus importante dans la prière, c'est justement, c'est la prière que j'appelle d'écoute pour agir. Il y a la prière d'écoute. Quelquefois, nous, on prie, on lui dit au revoir et on s'en va. On fait beaucoup de monologues. Et Dieu veut qu'il y ait un dialogue. Tu pries, tu écoutes, tu prends ton temps. L'autre jour, j'étais avec mon fils. Je lui ai dit, écoute, fils, tu pries ce soir et tu demandes au Seigneur de ce qu'il va te dire. Moi, de mon côté, j'ai dit, allez, je vais prier aussi. Et il a dormi. Le lendemain, moi, à 5 heures du matin, le Seigneur me donne deux textes. J'ai dit, d'accord, Seigneur, si c'est toi qui m'as dit, d'accord. J'ai gardé ça dans mon cœur. Et le matin, quand il est descendu, je lui dis, alors, Dieu t'a parlé? Il me dit, il m'a parlé sur le temple. Et il me cite un texte d'Ésaïe. Ah, je lui dis, c'est étonnant. C'est la même chose aussi que Dieu m'a donné. Ça parle du temple. Et là, j'ai compris. Voyez-vous, la prière n'est pas juste monologue, c'est dialogue. Vous parlez, Dieu répond. Dieu amène les mots et les paroles qu'il faut pour vous répondre. Alléluia. Donc, Dieu agit en parlant. Et quand il parle, il donne des directives. Donc, je vais vous donner trois formes de directives que beaucoup de chrétiens n'ont jamais utilisées ou rarement utilisées ou utilisées sans le savoir que je vais partager avec vous. La première, j'ai appelé la prière d'Abraham et de Job. Vous connaissez la prière d'Abraham et de Job? La prière d'Abraham et de Job, c'est que Abraham lui-même est stérile. Il prie
pour un autre pour qu'il enfante. Vous rendez compte ? Heureusement qu'il a eu les directives de Dieu, qu'il lui dit, écoute, je te parle. Si tu veux avoir, si tu veux enfanter, commence par prier pour des gens, pour que d'autres enfantent. J'appelle ça la prière d'Abraham et de Job. Et Job, pareil. Donc, on le trouve, c'est dans Genèse chapitre 20, verset 17. Abraham pria Dieu qui guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et ils purent enfanter. Lui-même, il n'a pas d'enfant. Comment tu peux prier pour quelqu'un que toi-même, tu n'en as pas? Et nous, qu'est-ce qu'on dirait au Seigneur? Seigneur, moi, Dieu, que tu te rends compte, moi, prier pour d'autres et que moi-même, je n'ai pas. Et Dieu te dit, non, prie pour un autre. Enfin que toi, tu enfantes. Et ça, c'était les directives qu'il a eues parce qu'il a écouté dans ses dialogues avec le Seigneur. Alléluia. Donc, la prière d'Abraham et de Job. Et Job 42, c'est intéressant. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci, écoutez bien, eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Waouh. Il n'avait rien, il prie pour le bien d'autres, et Dieu lui accorde ce qui a été pendant des années sans réponse. Dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des domaines qui peuvent être bloqués, et les directives dans la prière que vous pouvez recevoir, c'est peut-être, simplement quand vous écoutez, Dieu te dit, prie pour ce domaine que toi, tu n'as pas. Tu n'as pas une voiture, et tu pries pour un autre pour qu'il ait une voiture. Et toi, tu y vas toujours avec le bus, mais tu dis, Seigneur, donne-lui la voiture. Imagine-toi, c'est comme si tu priais et tu demandes au Seigneur quelque chose que toi-même, tu n'en as pas. Deuxième forme de prière, d'écoute pour agir, j'appelle ça la prière contraire. Vous connaissez la prière contraire ? La prière contraire, c'est que, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 44, dans Luc chapitre 6, verset 28, nous dit ceci. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Waouh ! Ça veut dire, quelqu'un ne t'aime pas, mais toi, tu pries pour que lui soit béni. Donc, ça veut dire, tu renverses la vapeur de l'agression satanique. Au lieu de se battre pour que l'autre, Seigneur, maudit-le, Seigneur, fais-le plier les genoux, Seigneur, il faut qu'il change. Voilà comment nous sommes. Et Dieu pourtant nous dit, écoute, mes directives pour réussir dans ta vie, ce n'est pas que tu pries contre lui, c'est que tu pries la prière contraire. Si tu n'as jamais reçu les directives, comment veux-tu prier pour avoir une prière effective, une prière qui va donner de solutions, qui amène quelque chose de bon? Ok? Donc, la prière contraire. Romains chapitre 12, verset 20 nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc, toujours faire quelque chose de contraire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ça veut dire, il changera d'avis te concernant. Voilà, c'est une belle prière. Quelqu'un t'en veut? Eh bien, prie pour que Dieu le bénisse. Quelqu'un est contre toi? Eh bien, bénis-le. Amen. Quelqu'un ne t'aime pas? Eh bien, bénis-le. Quelqu'un est contre tout ce que toi, tu prépares? Eh bien, bénis-le. Alléluia. Ça, c'est ce que j'appelle la deuxième directive dans la prière. Troisième directive dans la prière que vous pouvez avoir et que je dis souvent, les chrétiens n'utilisent pas, j'appelle ça la prière miroir. Vous connaissez la prière miroir? Ça, la prière miroir, je l'ai vu comment elle agit. Alors, Dieu sonde ton cœur, il regarde. Vous le trouvez, c'est dans le psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Ça veut dire, si toi, tu es bon et tu dis, Seigneur, fais-moi de bonnes choses, il te dit, est-ce que tu es bon avec les autres? Prière qu'on appelle miroir. Eh oui, avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Toi, tu dis, fais-moi justice, Seigneur, il te dit. Est-ce que tu es juste avec les autres? Est-ce que tu es juste dans tes propos, dans tes principes, dans tout ce que tu fais? Eh bien, Dieu agit en miroir avec toi. Encore, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Waouh! Mais aussi, il continue. Avec les pervers, il agit selon leur perversité. Waouh! Dieu agit en miroir. C'est quand tu te portes devant Dieu, Dieu va te dire, écoute bien,
dans ses directives, je vais agir en ta faveur, en miroir. Selon que tu écoutes la pensée de Dieu, Dieu te donnera des directives qui te permettront à agir et à avoir des réponses sur des sujets qui sont bloqués pendant des années et que tu dis, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Parce que tu as peut-être fait toujours des prières monologues. Alors, juste pour terminer, une histoire que j'aime beaucoup dans le deuxième que j'avais dit, contraire, c'est l'histoire de deux rois, chapitre 6, verset 8 à 23. C'était les Syriens qui voulaient à tout prix attaquer Israël. Je ne sais pas si l'heure est bonne, ça va ? Je ne sais pas. Alors, les Syriens voulaient attaquer Israël et le roi avait mis en place des soldats pour aller faire ce qu'on appelle des embuscades. Mais Élisée, le prophète, voyait d'avance ce qui se passait. Et il disait au roi d'Israël, ce jour-là, ils vont y aller tel endroit. Cet endroit, ils ont fait des embuscades. Et toujours alors, le roi des Syriens était en colère. Il a dit, mais mince, et mince, et mince, il y a un espion au milieu de nous. C'est pas possible. Chaque fois que je prépare des embuscades, et on rate toujours. Ils lui disent, non, c'est à cause d'Élisée. Alors il a dit, allez, m'attrapez-moi, c'est Élisée. Quand ils sont venus, la Bible nous dit, Élisée dit, Seigneur, rends-les aveugles. Ils ne savaient même pas que c'était lui à Élisée. Élisée les amène, la Bible nous dit, dans la ville de Samarie. Waouh ! Et là, il dit, Seigneur, ouvre-leur les yeux. Et quand ces soldats syriens, leurs yeux s'ouvrent, imaginez la panique. Et pourtant, le roi d'Israël dit, hey, maître, Seigneur, tuerai-je ces soldats ? Il lui dit, non, tu tueras ce que tu as attrapé par ton arme, par tes arcs et par ta force, mais cela, tu leur donnes de la nourriture. Voyez-vous la prière contraire ? La Bible nous dit, ce texte, je vais vous le lire, « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que ce que tu frappes, c'est ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le troupe des Syriens ne revienne plus sur le territoire d'Israël. Amen. » Voyez-vous, la prière contraire, qu'est-ce que ça amène ? Ça détruit les œuvres du diable. Il y aura un changement, quelque chose de différent peut naître. Alors, pour terminer, la dernière fois, je vous ai dit, une des choses que le diable déteste, c'est que vous priez. Pourquoi ? Parce qu'il sait au moment où vous priez, votre dossier sort de vos mains, il va être dans la main de Dieu. Et là, c'est une cause perdue pour le diable. C'est pour ça qu'il est en colère. Il ne veut pas que vous priez. Ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est qu'il veut tuer ta foi. Parce que si tu ne pries pas, parce que ta foi est nourrie par ta prière. C'est l'endroit où Dieu nourrit ta foi. C'est par la prière, par cette relation avec Dieu. Alors, il veut tuer ta foi. Ce matin, je t'en prie, mon bien-aimé. Prends du temps de ne plus prier une prière monologue. D'avoir une prière de dialogue. Prends du temps. Tu pries et tu prends du temps pour écouter. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Même quand il te dit telle direction, tu pries contraire, eh bien tu pries le contraire. Si tu te dis de prier la prière d'Abraham, ben, la prière d'Abraham et de Job, ça veut dire tu n'en as pas, mais tu pries pour d'autres, pour que Dieu les bénisse. Est-ce que s'il te dit la prière le miroir, eh bien selon les directives qu'il te donne, tu agiras et Dieu bénira ton foyer et Dieu fera en sorte que tu rencontres et tu connaisses de plus en plus ce Dieu. Et la venue de Jésus, voyez-vous, c'était justement pour régler, à cause de la compassion qu'il a, à cause de ces humains qui cherchaient Dieu comme des aveugles et qui essayaient de chercher Dieu de toutes les façons et de toutes les manières, il a voulu ajuster cela en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Personne ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Si vous me voyez et si vous vous laissez convaincre par le Saint-Esprit, alors je rentrerai en vous et je demeurerai en vous et j'agirai en sorte que vous soyez des gens qui écoutent la voix du Seigneur et qui reçoivent de sa part que son nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous et je vous béni. Si vous voulez, je vais juste prier aussi pour vous bénir dans le foyer où vous êtes. Seigneur Père, merci de donner des directives à ton peuple, du plus jeune au plus âgé, qu'ils sachent
que le fait de prendre ce temps d'écoute et agir pour avoir les directives nécessaires selon le besoin, pour être sensible à ta voix et pour avoir des réponses, où toutes les cris, des années de cris dont ils n'ont pas eu de réponse, puissent trouver écho dans le cœur de leur Dieu et aussi, Seigneur, dans toute la solution, dans tout ce qu'ils t'ont crié, prié, demandé. Je les bénis, Père, et que personne ne soit privé de cette prière ce matin, et que chacun puisse faire une expérience avec toi par le Saint-Esprit. Amen. Merci, Jean-Élie, pour ton excellent message sur la prière. Vous allez certainement revoir ce message du coup en rediffusion, puisqu'on a quelques soucis ce matin. Mais écoutez et mettez en pratique. C'est pour pouvoir vivre vraiment ce que le Seigneur nous a donné ce matin, il faut pouvoir le mettre en pratique. Et du coup, on vous encourage. C'est la suite un peu de tout ce qui a été aussi donné la semaine dernière. Mettez en pratique, ayez une vie de prière importante. Renouveler cela, peut-être justement, j'imagine que vous avez revu d'une autre manière ce qu'était la prière, comment le cœur de Dieu était façonné par rapport à cela. Et donc, vraiment merci beaucoup. J'aimerais pas faire double emploi, mais du coup, soyez vraiment bénis pour dans tout ce que vous allez faire durant cette semaine et continuez à justement ne pas garder vos dossiers, à vouloir les gérer vous-même, mais remettez-les entre les mains du Seigneur. Comme il nous l'a encouragé. Et comme on vous remet vraiment entre les mains du Seigneur chaque jour. Et on veut aussi prier pour et bénir tout ce que nous vivons dans une autre type d'expression de l'Église, qui est l'épicerie sociale, l'école. Vous savez que c'est le premier dimanche du mois. Nous voulons soutenir cela. Soutenir, bien sûr, par le biais des finances. Et vous savez que vous pouvez librement faire vos dons. Pour l'école, si vous faites des chèques et que vous les envoyez à l'ordre de transmission 09 ou pour l'épicerie sociale et solidaire, vous pouvez très bien aussi faire votre don cette semaine et nous l'envoyer. Et bien sûr, si vous voulez verser vos dîmes, vous pouvez le faire si vous êtes membre de Vie Nouvelle. Sinon, vous gardez vos dîmes pour vos communautés respectives. Voilà, j'aimerais simplement terminer en vous souhaitant une excellente semaine, en vous bénissant au nom puissant de Jésus, comme l'a fait Teferi juste avant, et joindre ma voix aussi pour le faire. Merci pour votre patience, pour toute l'équipe technique. Merci à toute l'équipe de Louange, tous ceux qui ont rendu ce moment particulier et qui nous a permis de le vivre surtout. Et on espère vous retrouver rapidement en plein air, comme nous l'avions annoncé cette semaine. Grosse bise à tous, soyez abondamment bénis.